Coucou, comment vous allez? On se retrouve pour le rituel de mathématiques autour de la date et aujourd'hui c'est mardi 17 novembre 2020. Donc à votre avis, quel va être le chiffre du jour? Je vous laisse deviner. Le nombre du jour, excusez-moi. Voilà, c'est bon, vous l'avez deviné. Alors est-ce que vous avez bien trouvé 1711 parce que c'est le 17 et le novembre, pardon, et novembre c'est le 11e mois de l'année. Alors regardez les petites opérations que vous avez à effectuer aujourd'hui. 1711, moins 711, moins 1710, moins 1. Plus 23, plus 35, plus 2, plus 230. Donc c'est parti, vous pouvez mettre sur pause, comme ça vous avez l'image avec les opérations à réaliser, et ensuite on va corriger. C'est bon les petits loups, vous avez fini? On peut corriger? Alors, 1711 moins 711. Et bah tout simplement 1000. Ensuite, 1711 moins 1710. Il va rester 1. Parce que regardez, 1 moins 0, ça fait 1. 1 moins 1, ça fait 0. 7 moins 7, ça fait 0. 1 moins 1, ça fait 0. Donc il reste 1. 1711 moins 1. 1710. On retire juste 1. 1711 plus 23. Alors 3 plus 1, ça fait 4. 2 plus 1, ça fait 3. Et 1734. Ensuite, plus 35. 5 plus 1, ça fait 6. 3 plus 1, ça fait 4. Et 1746. Plus 2, 1713. Plus 230, donc 0 et 1, ça fait 1. 3 et 1, ça fait 4. 7 et 2, ça fait 9. Et 1, 1941. Voilà les enfants, les résultats, n'hésitez pas à regarder et à corriger, d'accord? Excellent. Alors, maintenant, vous allez faire le schéma. Essayez de calculer dans votre tête, de penser dans votre tête les unités, les centaines, les milliers, d'accord? Alors, je vais vous faire une petite tête, comme ça on va le faire ensemble. Alors, chacun sur sa feuille ou sur son ardoise ou sur son cahier, excusez-moi. Allez, 1711 en schéma, c'est parti. C'est bon les petits loups, vous avez fini? Allez, c'est parti, on corrige. Mettez sur pause si vous n'avez pas fini. Alors, 1000, on est d'accord qu'on a un millier. On est d'accord. Ensuite, on est d'accord que nous avons 7 centaines. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ensuite, nous sommes d'accord que nous avons une dizaine. Une dizaine et ensuite une unité. Dizaine, unité. Voilà le schéma. Alors, maintenant, on va... Vous vous souvenez, hier, on a vu... Hier, vous vous souvenez qu'on a vu la suite numérique. Donc, on va partir de 1711, d'accord? Et alors, attendez, je suis en train de l'écrire. Comme je vous ai dit hier, j'ai écrit les trois premiers. Donc, je vous le montre, ou la montre, excusez-moi. 1711, 1721, 1731. À vous de continuer cette frise numérique. Donc là, cette suite, pardon, numérique. Je vous laisse réfléchir, d'accord? Et on va corriger. Donc mettez sur pause, réfléchissez. Vous pouvez écrire 3, 4 nombres. Moi, ce qui m'importe, c'est de voir que vous avez compris. D'accord? Allez, c'est bon? Vous avez bien mis sur pause? Vous avez trouvé? Alors, on va regarder. 1711, 1721. Quelle est la différence? 1, 1, les unités, c'est pareil. Ah, les dizaines sont différentes. Regardez, là, j'ai un 1, là, j'ai un 2. Et là, la dizaine, j'ai un 3. Donc, en fait, ce que j'ai fait dans cette suite, c'est qu'à chaque fois, je dois rajouter plus 10. Donc, 1711, 1721, 1731, 1741, 1751.
1761, etc., etc. D'accord ? 1771, etc. D'accord ? Donc j'espère que vous avez trouvé la bonne réponse, que ce qu'il fallait, c'était donc rajouter plus 10 à chaque fois. D'accord ? Demain, on va en faire une autre. Ok ? Allez, c'est parti. On va terminer par écrire 1711 en lettres. D'accord ? Allez, on l'écrit ensemble. 1711 en lettres. C'est parti. C'est bon, on peut corriger. Si vous n'avez pas fini, vous mettez sur pause. Alors, regardez. 1711. On n'oublie pas les petits tirets entre les mots nombres. 100 ne prend pas de S parce qu'il n'est pas placé en dernier. Et voilà, 1711. Allez, c'est tout pour aujourd'hui, mardi 17 novembre. J'espère que vous allez bien, j'espère que voilà, tout va bien, que là, aujourd'hui, je tourne la vidéo, il fait super chaud, mais j'espère que là, aujourd'hui, mardi, on ne va pas avoir trop de pluie. Je vous embrasse.